Mesdames, Messieurs, amis internautes, bonjour. Bienvenue à ce titrologue de ce jeudi 3 mars 2022. Conférence de Paris sur le climat, Ségolène Royal, le président Ouattara joue un rôle crucial, affiche Fraternité Matin à sa une. La présidente de la COP21 était invitée de la conférence ministérielle organisée hier par la Côte d'Ivoire au CIA de Paris. Les détails dans Fraternité Matin. Succession à Ouattara, Kafana en initiation ou en dégagement 2025, se demande le nouveau réveil à sa une. Les premiers fruits de l'union du Grand Nord. Et si Ouattara se donnait les coudées franches pour son choix définitif, la réponse à lire dans Le Nouveau Réveil. Nous avons grandi ensemble. Et nous évoluons toujours ensemble. Main dans la main. Toujours aussi proche et encore plus innovant. Pour vous faire profiter, ainsi qu'à vos proches et à toute la Côte d'Ivoire, des meilleures avancées technologiques, pour une meilleure qualité de service. Banque Populaire, partout, proche de vous. Si à Paris 2022, changement climatique, Covid, fluctuation des prix, comment la Côte d'Ivoire veut révolutionner son agriculture, titre le journal Le Mandat. Pour le ministre Adjoumani, le PENIA 2 est le jumelage de la modernité à la durabilité. La tresse du ministre d'État lors des journées ivoiriennes à retrouver dans le quotidien. Retrouvez également les potentialités agricoles d'investissement présentées lors de cette rencontre. Le titrologue pour aujourd'hui c'est terminé. Retrouvez tous vos journaux en ligne via la plateforme monkiosque.com. Merci de votre aimable attention et à demain.